Bon bah merci à, à ceux qui ont prié déjà pour euh, la prédication de ce soir. Et puis, euh, alors comme d'habitude, j'aime bien écrire les introductions à la fin. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écrire mon introduction sur, sur aujourd'hui. Alors je vais euh, euh, improviser. <rire> OK. <laughs> aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. On, on, je, je rappelle à tout le monde qu'on suit le sermon sur la montagne. Euh, un serment que, que Jésus donna, et puis que ça a impacté beaucoup le monde. Ça, ça a tellement impacté le monde et ben que ce serment a été connu. D'ailleurs, c'est une des. Plein de personnes qui n'ont presque jamais lu la Bible connaissent le serment sur la montagne. Ou plus ou moins quelques extraits du serment sur la montagne. Oeil pour oeil, et. Ah, vous voyez Vous voyez nous sommes, nous sommes le, 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 le sel de la terre et la lumière du monde. Ah bah là c'était encore, c'était pas très bien. <laughs> du coup, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est la, la première fois qu'on a parlé de quoi. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez de la première fois de quoi on a parlé. Comment Pardon Ouais, quelqu'un se souvient de quoi on a parlé la première fois Allez, regardez sur Instagram, c'est pas grave, moi ça m'arrange. Mm -hmm. Quelqu'un s'en souvient voilà. J'allais donner un petit cadeau, mais malheureusement, plus personne ne se souvient. Voilà. <laughs> la première fois, on a parlé de. Allez, je laisse une petite chance. Comment Oui, mais. On a parlé, bon, je vais le dire, on a parlé sur la culture du royaume. On a parlé de la culture du royaume. Et ensuite on a parlé sur quoi Sur le bonheur selon Jésus. Et ensuite on a parlé sur le sel de la terre et la lumière du monde avec Maggie comme oratrice qui a d'ailleurs très bien interprété. Et c'est rare que je dise ça, hein, mais, mais j'ai beaucoup aimé est ce qu'elle qu a, qu qu a, qu a exposé, ce qu'elle a dit. Elle a même montré des images. J'ai trop kiffé. Elle nous a... Par contre, je n'ai pas pris la photo qu'elle m'avait dit. Du coup, vous n'avez pas vu voir la montagne. Que selon elle, elle dit que c'est la montagne. Alors qu'en fait, en réalité, on ne sait pas quelle montagne c'était. Alors c'est pour ça que moi, je préfère dire je recule en arrière. Vous voyez ces montagnes C'est une d'entre elles. <laughs> voilà, je préfère pas se dire ouais, c'est cette montagne-là. Parce que c'est vrai que personne ne sait quelle montagne. C'était là où le Seigneur avait donné son serment. <laughs> Du coup, aujourd'hui, bah, c'est le Messie, les écritures et la véritable justice. Pourquoi le Messie ça vous, ça vous fait penser peut-être à un genre de foot, le Messie, n'est-ce pas Mais d'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, quand Messie rentre dans le stade, il font quoi le public Ouais, le ouais, Messie Il crie le nom de Messie, n'est-ce pas Eh bien, bah, figurez-vous que quand le Messie, I.E. à la fin... Quand le véritable Messie va arriver, il est déjà arrivé d'ailleurs, c'était sa première venue, il y a tout le monde qui a crié, Hosanna, Hosanna. Et tout le monde cria, et ensuite tout le monde dit, dira plus tard, crucifiez-le, crucifiez-le. Et tout le monde l'a crucifié. Tout le monde a été coupable, et tout le monde a été avec les Romains et avec les Juifs coupables, que ce soit païens, grecs ou d'autres personnes.

Et j'avoue, je reçois beaucoup de persécutions, pas une énorme comme Jésus l'avait à son époque, mais très légère, mais je le reçois quand même. Et aujourd'hui, on va parler du Messie, on va parler des Écritures, de la Bible, et puis on va parler de la véritable justice, une justice dans laquelle on ne peut pas se dire, eh, c'est la mienne, c'est à moi, ça ne m'appartient qu'à moi, mais non, c'est une justice dans laquelle nous allons en recevoir grâce à quelque chose. D'accord Alors aujourd'hui, voilà, voilà on, va, on va faire, je vais essayer de faire très court. Okay on va, <laughs> il y en a qui disent, non, il ne va jamais réussir. Mais Seigneur, aide-moi. Okay. On va lire un texte biblique, il y, aura la y, y, y a la Torah et le nomos, le loyota de Dieu, pratiquer et enseigner une justice différente, et on te dira la conclusion. Alors, je veux, je veux vraiment vous dire que... Ça n'a pas été euh, facile pour moi d'interpréter ce verset. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que quand j'étais en train de lire des livres et même des commentaires, tous les commentaires et tous les commentateurs disent que ces versets-là, c'est l'un des plus difficiles et qui a causé beaucoup de divisions dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, et même d'ailleurs à l'époque de Jésus, quand il était en train de prêcher. Parce que tout le monde, Jésus avait dit, c il, avait, il avait dit à voix haute, et on va le lire juste le premier verset, 5, 17, ok Matthieu 5, 17, il s'écrit, « Ne vous imaginez pas que je, que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi. » ou les prophètes, et je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors, il y a des gens qui ont mal compris ce verset. Ils ont dit, parce qu'ils disent que Jésus est venu accomplir la loi. Alors, si Dieu, Jésus, qui a accompli la loi, c'est-à-dire que moi, je, je suis totalement libre. De, 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 de cela, je n'ai plus besoin de respecter ma mère, je n'ai plus besoin de, 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 de sacrifier, enfin de, de me consacrer un jour du, du, du repos, je n'ai plus besoin de, 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 de m'abstenir pour regarder d'autres personnes ou même de vouloir à ce que mon frère est là. Et alors en fait, c'est pas ça ce que Jésus voulait enseigner, c'était totalement autre chose, d'accord Parce que ici, soyons franchement, qui connaît les 10 commandements qui connaît juste un commandement, à part ce que je viens de dire. Oui, vas-y, qui Vas-y, euh, le Non, juste en disant, juste comme ça. Tu ne tueras pas, ok Oui Ah, ok, d'accord, sinon... <laughs> Mais c'est pas mal. Hey, la moitié, c'était bien. C'était bien, c'était bien, c'était bien, bien la moitié. Bah, c'est pas mal. Qui le complète Vas-y. Ouais, c'est bien. Un autre C'est bien, c'est bien. Oui Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Oui, exact. Ouais. Tu ne voleras pas. Ouais. Un dernier. oui ça, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça englobe le tout, là. Oui. T'as dit quoi Tu ne mentiras pas. OK. C'est bien. Oui je suis l'éternel ton Dieu. Ça, c'est le premier d'ailleurs. Je suis l'éternel ton Dieu. Et c'est super important celui-là. Premier commandement, je suis l'éternel ton Dieu. D'accord Du coup, on va lire, est-ce que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, avec Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20 Je bois de l'eau. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez... as compris ce que tu as lu? Euh, ouais. C'est difficile de méditer sur cela. C'est un des versets les plus compliqués à interpréter. Et c'est pour ça que je vais, pas, je, vais, je, vais je vais essayer d'être très léger. Je l'ai adapté pour nous. J'aimerais d'abord donner des définitions quand. Là, dans, dans, dans le Nouveau Testament, ça parle de, de la loi. Qu'est-ce qu'on comprend par la loi La Torah, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on comprend par la Torah ceux, de, ceux qui nous qui habitons en Europe. Carré, oui. C'est ce que Moïse l'a transmis, c'est bien. Les juifs, ok. N'ayez pas peur, vous avez le droit de participer. La loi, c'est ce que Dieu a dit, OK Le Shabbat, OK Oui C'est bien, vous avez bien répondu. Mais le truc, c'est que euh, si on traduit euh, la Torah, la traduction exacte serait plutôt enseignement ou doctrine. D'accord Et des fois, ici en Europe, on dit plutôt la loi de Moïse. Donc, si on, on traduit la loi de l'original, ça serait les enseignements et la doctrine de Moïse, n'est-ce pas Du coup, on voit un peu différent maintenant, et on voit pas la loi, c'est comme ça, tchou, tchou. Non, en fait, c'est ce que le Moïse il a essayé d'expliquer, c'était sa façon d'interpréter de la loi. Vous comprenez Quand j'étais en train de parler avec un avocat, il me disait nous, nous avons des lois et nous avons des doctrines. Et moi, je lui dis pourquoi vous avez des doctrines Parce que c'est trop difficile d'interpréter la loi. Nous avons besoin d'une doctrine pour mieux comprendre la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, on a besoin d'une doctrine, d'un enseignement. Parce que Moïse était l'élu de Dieu afin d'interpréter la parole de Dieu. Ensuite, il passait tout le texte qu'il avait fait, son manuscrit, à Aaron et disait « Tiens Aaron, toi qui parles très bien, tu pas à le dire parce que moi je suis trop timide et je préfère prier et aller en arrière. » Et du coup, Aaron, il parlait et il transmettait la loi à tout le monde, à chaque fois. Et c'était bien, n'est-ce pas quand on le lit dans le Nouveau Testament, la Torah, on le traduit le nomos. Dites nomos. Nomos. Nomos, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord Et dans le nomos, malheureusement, ça traduit un petit peu mal du grec. Ça serait la loi, directe. Et les gens, quand ils entendent la loi, c'est trop carré. C'est trop comme ça. On devient totalement un légaliste. Et quand tu commences à dire Ah, moi, je respecte la loi, les gens dans l'église te disent Ah, mais t es, t es légaliste. C'est pas bien. Alors que si en réalité tu traduis le mot avec exactitude, ça devient une doctrine, un enseignement. Aujourd'hui tu parles à l'église, ah moi j'aime la doctrine, nous avons une saine doctrine, alors c'est pour ça que je viens dans cette église parce qu'il y a une très bonne doctrine. Mais tu changes le mot, tu dis loi, oula, je ne viens pas dans cette église, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez maintenant la différence J'aimerais qu'on puisse comprendre ça parce que si on ne comprend pas dès le début les termes, vous allez être perdu. C'est pour ça que... Luciana elle a eu du mal à comprendre au début. Elle a dit "C'est très difficile de comprendre", elle a dit. N'est-ce pas Luciana Non, allez, viens, tu vas prêcher. Là. Non, c'est bien Luciana. Ça fait franchement ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta face. Tu ta face, bah c'est vrai. Mais c'est pas mauvais de dire face. Enfin. Ouais. Ok, bah, j'utilise des termes anciens hein. de la Bible, c'est pour ça. <laughs> ok. Alors, Jésus parlait à qui Est-ce qu'il parlait aux, aux, aux païens ou il parlait aux juifs Il parlait aux juifs à chaque fois. Et les juifs, ils ont une manière de comprendre de la Torah d'une façon différente. Quatre exemples, par exemple. Ils appellent la Torah la Chumash. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, la Chumash Oui Léni, toi t'es es un peu... Ça, tu connais un petit peu, parce qu'à cause de tes parents, non Ah bon, voilà, ne connaît plus, Lénie. Attention, c'est réponse. <laughs> Le Shumash, qui, qui, qui est en rapport avec les cinq livres de Moïse, ne me demandez pas comment il les a écrits, je n'ai pas de réponse. Le Shumash aussi vient avec les prophètes, qui on l'appelle aussi en hébreu la Tanakh. La Tanakh, ta, la thé de Torah, et la Nak des Nakibim. Na et que c'est un mélange entre les écrits et puis les prophètes. Et voilà ce que Jésus va dire dans le Nouveau Testament, dans le verset 17 de chapitre 5, Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, dira Jésus dans le verset 17. Et il y a encore quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. Vous avez déjà entendu parler de la Torah orale Alors c'est normal, parce que ça c'est vraiment réservé qu'aux Juifs. Eux ils disent que comme ils n'ont pas les écrits de Moïse, les dix commandements, ils disent que Moïse, il avait fait ce qu'on appelle une Torah orale, une Torah orale qui a été transmise de génération en génération, bouche à oreille, bouche à oreille, pendant des siècles et des siècles et des siècles, qu'ils ont fait un petit bouquin, on l'appelle le Talmud. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce mot, Talmud, non un, En fait, c'est un écrit, des récits, des histoires, des enseignements, des anecdotes qui, qui enseignent plein de rabbins, pas n'importe lequel. C'était vraiment l'élu de cette époque, celui qu'on l'appelait de base le hasidique, celui qui avait une grande connaissance dans la, dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus dira, attention à ce que les escribes vous disent, il dira. Parce que c'était qui les escribes les Escribes, c'était les docteurs de la loi, ceux qui savaient par cœur toutes les doctrines et toute la loi. Mais Jésus dira faites attention avec cela, parce qu'ils aiment avoir la première place dans l'église. Eh, hey, attention <laughs> Faites attention à ceux qui aiment avoir la première place, à ceux qui aiment prier à voix haute, à dire Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, l'autre. Faites attention, il dira Jésus, parce que eux, ils font tout ça pour eux et ils ne font pas ça pour les autres. Il y a une différence entre faire quelque chose pour les autres et faire quelque chose pour nous, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous avez plus de plaisir à faire quelque chose pour, pour les autres que pour vous. Moi, j'ai plus de plaisir. Enfin, ça fait pas longtemps, hein, mais j'ai plus de plaisir de faire des choses pour les autres que pour moi. Je ne sais pas à vous si c'est pareil. Et si c'est pas le cas, priez. Parce que moi, j'ai dis prier énormément. Oui. Ouais. Mais si c'est faire un truc de la l'autre, c'est genre, en mode, je vais l'aider, il a besoin d'aide pour un travail, mais tu payes paye, il fait gratuit, bah ça va l'aider, ça va te plaisir à toi, parce que tu l'as aidé. Et lui, il est content, donc toi, t'es content. Mais après, si c'est genre, un travail à toi, ça fait un ménage à la maison, bah là, moi, ça peut pas plaisir. Même si c'est pour moi. Ah ouais Ok, bah t'as dit travail, mon frère. T'as dit travail. Ça va, j'étais pire que toi avant. Hein. C'est vrai. Non, mais. Ah, ok. Ok, j'ai mal compris alors. Pas, pas... En fait, des fois, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous n'articulez pas. Et j'ai du mal à entendre les bon, mots, c'est pour ça. Du coup, ça, vraiment, ça fait du bien de, de faire plaisir aux autres. Parce que Jésus est venu, il a dit Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir les autres. Hum, ça sent bon là. Ah, ça fait plaisir d'être servi aussi. Hein. Ça fait plaisir aussi. Mais il y, y, y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dira la parole. Alors moi, j'ai une question maintenant pour chacun d'entre vous. Est-ce que Jésus est venu pour abolir ou modifier ou remplacer la Torah ou les enseignements Est-ce que Jésus est venu pour détruire ce que Moïse avait déjà écrit auparavant Pardon, je répète, t'as pas entendu. Est-ce que Moïse est venu pour détruire ce que Mo Jésus est venu pour? Est-ce qu'il est venu pour détruire ce que Moïse il a écrit, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a transmis? Non? Comment? <laughs> Dors. <laughs> ok, j'ai compris, j'ai compris. <laughs> Jésus, il est venu pour abolir le péché et la mort. Ça, c'est juste. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Parce qu'on dira, l'apôtre Paul, plus tard, la loi, elle est bonne. Jésus, quand il donna la loi, c'est bon parce que c'est Dieu. Tout ce que Dieu donne, c'est bon, n'est-ce pas Tout ce que Dieu te donnera va être bon pour toi pour un temps précis. Je ne vais pas lire les versets pour ne pas faire très long, mais quand l'apôtre Paul il dit la loi a été comme un... Un guide pour vous. Quand vous étiez enfant, il vous a conduit, et maintenant que vous êtes grand, il y a quelque chose de plus grand. La loi, c'était comme quelque chose de pédagogique. Je ne sais pas si vous comprenez le mot pédagogique. Quelqu'un a une définition sur la pédagogie Qui <rire> Ok, ok. <rire> ok. Quelqu'un a une définition sur la pédagogie Ouais. J'ai de savoir qui Lenny, Lou, Bastien ou quelqu'un d'autre Non Une définition qui vient à la tête, peut-être derrière Un enseignement Ok, c'est bien. Quoi la manière d'enseigner Exactement. Mais la loi, c'était comme une... une c'était quelque chose de très pédagogique. Hein, D'accord Et, et je, me, je, je, veux, je veux dire quelque chose. Non, je, je veux le dire plus tard. Ok <laughs> Désolé, c'est des choses qui arrivent. voilà. Pour pas... Non, mais si je raconte, ça va faire trop long, c'est pour ça. Ok <rire> Désolé. <rire> ok. Bah, Jésus est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et la parole accomplir, je ne sais pas si dans vos versions, vous avez accomplir ou. Euh accomplir, c'est ça Quelqu'un a autre chose dans sa dans sa dans sa bible 5.17 17 Matthieu 5 17 Non, personne n'a rien. OK. Non. De naissance, oui, c'est bien, oui. Ouais. T'as mis quoi, t'as dit quoi Le sens, ouais, exactement. En fait, je vais vous dire ce qui. Est, on va répondre à la question pourquoi est-ce que Jésus est venu dans ce monde Voici la réponse, la première réponse, d'accord Moi, je vous donne une technique d'interprétation. À chaque fois que vous lisez la Bible, posez-vous des questions, posez des questions au texte et laissez le texte vous parler. Moi, je, je lisais comme ça. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ou ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et moi, je me dis alors pourquoi Jésus est venu Ah, d'accord, il n'est pas venu pour abolir, n'est-ce pas mais il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Il est venu pour donner, j'aime bien lire les autres traductions, donner sens, pour compléter, pour remplir. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et qu'est-ce que je disais d'ailleurs dans la culture du royaume Vous vous rappelez que Jésus était quoi Jean chapitre 1, verset 1 au 18. Que Jésus était le logos, que Jésus était la logique. C'était la logique qui donne sens à notre vie, qui nous fait bouger. Si la logique de Dieu nous dit d'aller là-bas, on y va là-bas. N'est-ce pas? S'il nous dit d'aller à droite, on y va à droite aussi. Et si la logique de Dieu nous dit que nous sommes mal dans notre vie, vous allez faire quoi? Changer? Qui a déjà changé quelque chose dans sa vie? Que la parole de Dieu lui a dit de faire autrement. Amen. Il n'y a pas beaucoup derrière. Bon, hein de. Comment? Non? Ok. Ok. La parole, elle est vivante et efficace. Elle pénètre, c'est une épée à deux doubles tranchants. Hein. Elle pénètre le corps, l'âme et l'esprit. Ouais. Du coup, Jésus, il n'est pas venu pour, pour dire que la loi, elle n'est plus bonne. D'accord Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre un accent sur cela parce que beaucoup de gens disent, et je parlais beaucoup avec Maggie. Salut Maggie, je sais que tu regardes. Euh, à la caméra. Voilà. Je, Maggie m'a dit « Je suis intéressé de savoir ce que tu vas parler de la loi. » Eh bien, Maggie, intéresse-toi. Voilà. <laughs> et moi, j'étais l'une des peut-être rares personnes dans l'Église qui, qui défendait la loi, parce que je la voyais différemment. Et j'aime la loi. J'aime la loi parce que Dieu l'a créée, Dieu l'a donnée, et Dieu n'a pas dit « La loi, c'est fini. » La loi continue. C'est pas parce que Jésus l'a accompli comme maintenant il faut laisser de côté d'honorer ses parents de aimer Dieu, de célébrer le, euh, le jour du repos et célébrer plein de choses encore. Ok Pardon okay. On va passer au point suivant. La iota de Dieu, vous savez Qu'est-ce que c'est une iota Ouais, c'est bien c'est du grec, c'est bien. Comment Oui, c'est une lettre. Oui. La combien de l'alphabet Comment Non. Yota, c'est la huitième. Dans l'hébreu, c'est le yod. « c le yod ». D'accord C'est le « yod ». C'est la le dixième lettre de l'alphabet en hébreu. Et vous savez, c'est quoi une iota Comment Un bateau oh, Non. <rire> <rire> ok, pas mal, oui. <laughs> mm -hmm. Ouais, ok. Un iota, c'est comme ça. Voilà, je l'écris avec moi. C'est tout droit comme ça. Avec euh, ouais, comme ça. et puis c'est comme ça. Voilà. <laughs> voilà. Vous voyez Voilà. Voilà. Pas mal. Hein <laughs> je l'ai bien fait. Vous voyez ça dans, dans l'alphabet grec C'est un iota. D'accord Et un iode, en hébreu, dixième euh, lettre de l'hébreu, c'est un apostrophe. Petite apostrophe. Par contre, c'est tellement important parce que ça distingue beaucoup, ça donne sens à une phrase. Tu as besoin du yod pour donner sens. Et justement, qu'est-ce qu'il dit Dieu On va le relire, verset 18, quelqu'un veut le lire le verset 18 de Matthieu chapitre 5 Amen. Jésus fut le seul rabbin de tous les temps à avoir commencé à chaque discours avant de dire quelque chose d'important. En vérité, je vous le dis. Et quand il dit en vérité, en vérité, là, ça veut dire les gars, arrêtons les écouteurs Instagram, arrêtons de chercher une copine, mettons-nous plutôt à les écritures. Et puis là, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de waouh Il n'y a pas de les gars, ça c'est trop stylé Ça n'existe pas, ça, en hébreu. C'est pour ça qu'en hébreu, tu as besoin de dire deux fois la même chose pour dire attention, attention, pour dire que ça, c'est super important. D'accord Ça, c'est bah, bah, ce que Jésus dit. Bah, là, moi, j'ai une autre traduction qui dit Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni un point sur un, un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Tout. Les prophéties qui que, que, qu ont été données pour Israël et même pour les païens vont se réaliser. D'ailleurs, il, il y en a beaucoup qui sont déjà réalisés et il y en a aussi dans le Nouveau Testament qui, qui vont se. Bah, la majorité. Le Nouveau Testament, c'est comme un espèce de commentaire de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si on vous a déjà dit cela. On vous a déjà dit cela Non le, parce qu'à chaque fois que vous lisez le Nouveau Testament, c'est comme, vous allez voir, c'est comme si Jésus, pardon. Oui. Mais, mais, mais c'est vrai. Lisez toujours comme ça. Lisez, quand vous lisez un verset du Nouveau Testament, ça vous renvoie tout de suite dans l'Ancien Testament. D'accord Du coup, le iota de Dieu, pourquoi c'est important, vous pensez parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il dit Je suis la parole. N'est-ce pas Et si tu enlèves, n'en serait-ce qu'un petit bout, et si tu enlèves Jésus de l'histoire rédemptrice, c'est fini. Les juifs essayent de comprendre l'Ancien Testament. Et franchement, moi je dis vraiment, et je l'avoue, il y a des juifs qui sont super intellectuels. On n'arrivera jamais à les vaincre. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a réussi s'appelle Jésus de Nazareth, celui qui a interprété la parole de Dieu de la meilleure façon possible. Il n'y a que lui, en fait, qui a réussi à interpréter correctement l'Ancien Testament. Aucun rabbin de tous les temps, qui soit le créateur du Talmud, qui soit celui qui a apporté beaucoup de choses dans les écritures antiques des Hébreux, n'a jamais réussi à dire que Jésus est le Messie. Il n'y a qu'un prêtre. Dans un temple, il pria, il étudia les textes vraiment au sérieux, et tout d'un coup il a dit Je ne veux pas mourir avant, j'aimerais voir le Messie ici même. Et le Messie, il y a Joseph et Marie, ils arrivent, ils font la présentation au temple de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Et maintenant, j'aimerais vous dire que ce qui n'aime pas lire la parole de Dieu, soyez, soyez sincère, qui n'a pas une. Lecture hebdomadaire. Ah ouais, tout le monde, ok. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous parce que même si vous, lisez, vous ne lisez pas votre Bible, il y a un verset dans la Bible que pour moi ça me rassure. Parce que le fait juste de regarder dans les cieux, vous allez comprendre. Le psaume chapitre 119, verset 89 ou 89 pour les autres. Quelqu'un veut lire Psaume 119, 89, 89. Personne Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Amen. <laughs> la parole de Dieu est établie dans les cieux, dans le ciel. Donc les gars, c'est écrit dans la parole de Dieu que... Ta création, chapitre 19 de Psaume, ta création parle de toi. Il y a deux révélations qui peuvent se faire. C'est à travers les Écritures Saintes et à travers sa création que Dieu nous parle. Du coup, les gars, regardez comment est-ce que Dieu vous parle à travers Proverbe, chapitre 6, verset 6. Il dit Regarde à la fourmi. Elle n'a ni chef, ni rien, mais elle bosse. Ah, parce que viendra le jour où il y aura le froid, et elle aura des choses à manger, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des flemmards ici, lisez le chapitre 6 de Proverbe. Je l'ai lu beaucoup de fois parce que j'étais un gros flemmard aussi, je l'avoue. On va passer au point suivant. Oui. le Royaume, la venue, la venue. Ouais, tu sais, c'est ça que les gens, les gens, tout le monde, tous les juifs comprenaient qu'il y avait un royaume et un messie qui allait venir. Mais tout le monde pensait que c'était un juif comme Alexandre. il n'était pas juif, il était grec. Alors lui, il venait, il venait avec sa puissance. Tout le monde pensait qu'il allait être comme Alexandre le Grand, le messie. Parce qu'Alexandre le Grand, il porte bien son nom, il porte très bien son nom et tout, tu vois que tout, tout ce qu'il a accompli, c'est incroyable. Il est dans, dans l'histoire. Il a accompli plein de choses. Et tout, tous les juifs regardaient Alexandre le Grand et se disaient il va être comme lui. Et il y a même des juifs qui, ont, qui se sont dit ah, mais attends, peut-être le Messie, c'est. Qui Vous pensez Quelqu'un qui était grand, riche, sage. Voilà, je l'ai déjà. Salomon, exactement. Tout le monde pensait que c'était Salomon parce que tous les gouvernements venaient vers lui, Ils voulaient connaître sa sagesse, parce qu'ils pensaient que le royaume des cieux s'était établi à ce moment-là, alors que pas du tout. C'était pas Salomon. Et le jour viendra, euh, mon frère, le royaume de Dieu, tu le verras. Tu n'auras plus aucune limite. <laughs> Mais c'est vrai, tu, tu n'auras plus aucune limite. On va parler aujourd'hui de pratiquer et enseigner quelque chose que Malheureusement, on n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que quand quelqu'un a lu un verset de la Bible, il s'est dit, ouais, ça, je vais le pratiquer. Et après, en plus, il a dit ça, je vais l'enseigner aux autres. Quelqu'un a déjà fait ça avec un verset C'est vrai C'est bien. Eh bien, on va lire ce, ce verset 19. Quelqu'un veut lire Merci, Bastien. Pourquoi c'est important de pratiquer avant de pouvoir l'enseigner Parce que c'est crédible de base, n'est-ce pas C'est plus crédible. Et c'est important de... Oui. Et c'est important de pouvoir pratiquer quelque chose. Depuis mes 15 ans, je fais du piano je passe piano peut-être ni l'autre mais je faisais beaucoup de piano derrière et puis il y a toujours des jeunes qui sont venus vers moi ils m'ont dit Jim ouais, tu joues trop bien il faut que tu m'enseignes alors qu'est-ce que je faisais avec plaisir je t'enseigne une note une autre et après on a commencé à utiliser les deux mains. Les... oh, oh, oh. Euh, non désolé c'est après combien de temps bah, je pense qu'à bien jouer cinq ans et après tu développes tu développes de plus en plus et puis lui, il voulait jouer en une semaine. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça ne marche pas comme ça. Et puis un jour, il y avait un jeune homme qui est venu et il m'a dit, Jim, tu fais comment pour jouer du piano Alors, moi, je lui ai dit, je vais te dire, d'accord De base, je joue entre 15 heures par semaine le piano. Je m'entraîne. Toujours. Soit je viens à l'église et je joue ici, ou soit je vais chez un pote et on fait du piano, ou soit on va chez Marcos et on fait un petit peu de piano aussi. Bon, maintenant, il ne peut plus parce qu'il travaille beaucoup jusqu'à très tard, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne le voit plus ici, à la Louange. Et j'ai dit, je joue 15, 15 heures par, 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 par semaine, et ça m'a fait... Euh, par, par année, ça m'a fait 720 heures, et... Et par année, ça me fait 30 jours, c'est pas énorme. <laughs> c'est pas énorme, 30 jours à jouer du piano par année, c'est comparé à les 365 jours qu'il y a dans l'année, c'est n'est pas énorme, n'est-ce pas Ou c'est énorme pour vous Ouais, c'est rien. Il y a des gens qui jouent 7 heures par jour le piano. 7 heures par jour, c'est énorme. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent en, en, pour, pour enseigner quelque chose. Pourquoi vous pensez qu'ils m'appellent Parce qu'ils savent que je pratique la Bible, ils savent que j'aime la Bible, ils savent que bah voilà que je, que je la médite de jour et de nuit aussi. Ils me disent Jim, viens, tu vas parler sur la colère. Et Je dis ouais cool, je peux inviter mon groupe de jeunes. Ouais, Vas-y invite-le. Et puis il y a une autre église me dit Jim, tu vas faire un débat avec une personne qui, qui est contre la femme qu'elle puisse prêcher. Je dis Oh, trop bien, je vais y aller. Et après il y a un autre qui me dit Jim, il y a un philosophe qui commence à débattre avec tout le monde, tu peux venir, ça va être un petit peu plus restreint parce qu'il n'aime pas le public. Alors j'ai dit c'est pas grave, moi je suis là pour parler avec tout le monde. Pourquoi vous pensez qu'on appelle les gens pour qu'ils prêchent, pour qu'ils apportent quelque chose? Parce qu'ils ont pratiqué pendant très longtemps quelque chose et ils l'invitent parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Pourquoi on avait toujours le pote qui va faire la fête Ah, lui, il sait faire la fête. Il va ramener des nanas, il va ramener de l'alcool, il va ramener de la bière, <coughs> de la cigarette, et puis de... comment on appelle Le cannabis, voilà. On l'appelle parce que c'est le gars spécialiste pour ce genre de fête. Eh bien, on dit que la pratique fait... Ah non, vous connaissez pas La pratique fait le... Je ne sais plus, c'est comment en français Le moine Je ne sais plus si c'était ça. C'est la, la Bible, quoi ah, okay. Alors, j'étais vraiment à côté de la plaque. Désolé. Alors, j'ai commencé à traduire une autre phrase en espagnol. Des fois, mon, mon cerveau, il en peut pas. Je suis désolé. Alors, plus tu pratiques quelque chose, plus tu deviens un expert. Eh bien, figurez-vous que Jésus a obéi la loi à la lettre. Même les iota, il a vraiment obéi. Il a vraiment il, il, la, parole de Dieu qui, il, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas désobéi à, une seule, à un seul commandement de la loi de Dieu. Aucun. Il les a tous accomplis, irréprochable fut et emmené dans la croix, à la croix pour nous tous. Est ce que vous savez que Jésus il est à la, à la croix pour vous tous? Quelqu'un ne sait pas cela ici? Que Jésus est allé à la croix pour celui qui croit. Quelqu'un ne sait pas cela peut-être ce soir? Oh yes, tout le monde la sait, trop bien. Ça m'invitera de faire les appels. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas lever la main. C'est juste ça. Du coup, moi je vous invite vraiment à pratiquer, à mettre en œuvre ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous demande. Parce que s'il vous demande, c'est parce que vous pouvez l'accomplir. N'est-ce pas? Et récemment je vais faire un débat avec Lou sur un verset de la Bible. Et je dis Lou, courage. Moi j'ai dit Lou, il y a tout le monde qui t'appuie. Moi il n'y a personne. Et Lou elle a dit non, allez, pff, on le fait. Alors du coup, soyez là pour regarder ce débat avec Lou. Je vais la détruire. Pff, non, je Christel. Non, c'est ma sœur. C'est ma sœur et je vais respecter avec les autres je le fais différent. Oui. Voilà, les autres. Parce que c'est une sœur de l'église, voilà. Après, il y a le pasteur qui vient. « T'as fait quoi, ma fille <laughs> ?» ouais. bah, Soyez là parce que ça va être... On va encore réfléchir pour la date avec Lou. On va parler sur Jacques, chapitre 1, verset 13. C'est... <laughs> on va parler sur la tentation. OK Non, non, on verra. Il faut qu'on trouve une date. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un... Mais vous allez voir. Vous allez voir. OK Ok, verset numéro 20. Qui peut lire le verset numéro 20 Une justice différente. On a bientôt fini. Amen. Ça vous arrivait de casser une, une tasse de thé Celle où ta mère, elle buvait Où il y a un petit cœur qui dit Maman, tu es la meilleure moi ça m'est arrivé. Oui. Ma mère, alors j'ai essayé de justifier maman, mais c'était chaud, j'avais mal à la main. Ma justice, hein. Maman, j'étais fatigué. Je, tu sais que le soir je veux groupe de jeunes et ouais. <laughs> je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. J'essaie de me justifier. J'ai essayé de me justifier. Mais cette justice n'a rien servi. J'ai reçu le courroux de ma mère. Ma mère m'a dit, mais comment tu oses, mon fils C'était ma tasse. Alors, je lui ai acheté une autre tasse. Voilà. Ça ne remplace pas l'autre, c'est vrai. Mais, mais je pense que les mugs, ils sont les mêmes. Juste la, la, le logo qui change, non Ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est les mugs, on dit que mugs, non C'est ça, hein okay. ok. Dans le chapitre 3, verset 20 de Romain, c'est écrit, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Qu'est-ce qu'elle produit, la loi La connaissance du péché. Est-ce que la loi, elle peut te justifier Non. C'est Jésus qui te justifie. Mais de quoi a-t-on besoin pour être justifié De la foi, exactement. Je vais vous raconter une histoire. Avec mes frères. Une fois, on avait balancé un caillou chez la voisine. On avait fait un trou. Alors, euh, ma grand-mère, elle était furax. On avait quel âge 8 ans si Et puis là, j'ai joué le rôle du sauveur, de Jésus. Ma grand-mère, elle vient avec son fouet, elle dit c'est qui qui a fait ça Et puis, il y a mon frère, elle dit Et comme ça, ils étaient, j'imite bien. Hein. Et puis, moi, je prends courage, je dis c'est moi voilà, les feuilles ont tombé. <laughs> <Ma, rire> mon courage est tombé aussi. <laughs> je me souviens que ma, ma grand-mère était forte. C'est toi <laughs> C'est toi alors Alors elle m'a laissé tout seul, mes frères sont partis. Là, elle m'a donné. Euh, je me souviens encore hein, tu vois, de, 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 de cette correction on va appeler ça cette correction pour ne pas laisser mal à ma grand-mère. Et puis, bah, je me souviens depuis toujours ça. Mais mes frères ont eu foi en moi. Ils ont mis toute leur foi dans ma parole. Oui, c'est lui C'est lui Et puis, ma grand-mère... A... Et heureusement que j'ai eu, ce jour-là, un sauveur qui s'appelait Grand-Papa. Grand-père. Qui a dit à ma grand-mère, qu'est-ce que tu fous Laisse le jeune homme tranquille Lève, il va courir ailleurs Et, il a... Et puis j'ai dit, grand-mère, là, tu, tu, tu m'as explosé le dos, là et puis à chaque fois ma grand-mère elle vient et me dit non mon fils je suis désolé je... et le, do... le lendemain elle recommence <laughs> mais j'aimais bien la, la façon comment elle me demandait pardon ma grand-mère elle pleurait hein. et, et puis elle venait elle me demander pardon et puis en fait a, nous pouvons être justifiés seulement par une seule personne je dis, mais de quoi a-t-on besoin pour être justifié de la foi exactement on a besoin de la foi et cette foi-là va nous donner quelque chose que la foi, dont plein de choses ne vont pas nous donner. La... Est-ce que vous avez confiance dans la... Qui a de l'argent dans la banque? Qui a plus que 10 000? Ah mince, ok. Ah, oh, le... ouais. ouais, j'ai vu des mains là. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, tu as 20 000. Tu n'as pas 20 000? De... Non. Ah, ok, on se comprend, t'inquiète. Eh <laughs> bien... Il y a des gens qui ont confiance en la banque, d'autres ont confiance en l'assurance, d'autres ont confiance en plein. De... Moi, j'ai confiance aussi, ah, parce que je leur paye pour leur faire confiance. Quoi. Non, je donne l'argent. Mais Jésus, qu'est-ce que j'ai payé Rien. Mon péché était là, présent. J'ai juste confessé quelque chose, et ensuite j'ai reçu la justification du Seigneur. On a fait un, un échange. Il a reçu mes péchés, j'ai reçu ce qu'on appelle la justification. D'accord Tu comprends, Raphaël, cela la justification, non Ne te dors ouais. pas, hein Que t'écoutes hein Ok. Moi, j'aimerais aujourd'hui lire quelques versets et conclure avec ça. On a tous besoin d'une justice différente. On a tous besoin d'une justice bonne, énorme et honnête, qui est celle de Jésus. Une justice dans laquelle moi je peux produire en train de me justifier avec euh, c'était trop chaud le truc, ou peut-être désolé Dieu j'ai pas réussi à, à, à faire la loi, à la, enfin, à la faire, à la respecter. Aujourd'hui, moi je t'offre vraiment quelque chose que moi j'ai reçu il y a très longtemps, le salut. Mais je l'ai reçu par la foi. On m'a dit une fois, tu veux être sauvé, tu veux confesser tes péchés. C'est vrai que quand quand on te dit ça, tu n'as pas envie, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. Dis-le à Dieu, parce que c'est à Dieu que tu dois, ce n'est pas la personne qui te le dit, ce n'est pas à moi que tu dois dire, mais tes péchés, c'est à Dieu que tu dois lui dire, hey. <laughs> c'est à Dieu que tu dois dire tes péchés, et c'est à lui que tu dois faire un échange, tu donnes tes péchés et lui te donne le salut. Et j'aimerais juste lire pour finir quelques versets qui se trouvent en Romains chapitre 10, verset 9. Concentrez-vous seulement. Dans ces versets, ne, ne cherchez pas. C'est écrit en effet si, ta bouche, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Euh, 1 de Jean, chapitre 1, 9 Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Deuxième de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très purificateur pour une personne. J'espère que ça va l'être pour vous. Deuxième de Corinthiens 5, verset 17. « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. » Voilà. Deuxième de Corinthiens 5, 17. « Toutes les choses anciennes, c'est fini. Tous les péchés anciens, c'est fini. Tu es une nouvelle créature. » Tu as un nouveau comportement, tout est nouveau en toi. Et aujourd'hui, tu dois vivre différemment. La seule chose que tu dois recevoir, que tu dois dire, tu dois faire une confession de foi. Une confession de foi de dire que Jésus est ressuscité, qu'il est le Seigneur et Sauveur et que tu te réponds de tous les péchés que tu, as, que tu as commis. Et tu lui dis ça à Dieu dans ton intérieur. Et ensuite, tu vas recevoir quelque chose que plein de gens n'ont pas dans ce monde, c'est une paix antérieure. Et ce qu'on appelle, comme on dit la dernière fois, une espérance eschatologique, une espérance qui t'attendra à la fin de ta vie, et que cette espérance viendra et te ramènera dans l'endroit intermédiaire entre la mort et la fin, et la fin. D'accord Merci à chacun de m'avoir écouté. Merci pour euh, euh, votre votre temps. Et je vous remercie aussi d'avoir d'être venu ce soir. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Je vais passer aux annonces maintenant avec Joseph. Tu peux venir Joseph